N'implique pas. Des faits relativistes. On est très loin de C sur 10. Et donc, voilà. Pas d'effet relativiste. Et cela a deux conséquences. La première conséquence, c'est que certaines implications, conséquences, résultats, résultats de la théorie de la relativité restreinte, eh bien, bouleversent sérieusement le bon sens. Elles sont contre-intuitives. Certains résultats de la relativité restreinte sont tout simplement contre-intuitifs. Ils vont à l'inverse de l'intuition. Et donc, il faut faire l'effort de comprendre ce qui se passe. On a eu du mal à les prendre en compte jusqu'à ce que des expériences répétées dans les années 70, dans les années 80, aient établi de façon certaine que la théorie a une base assez solide. Et malgré tout, le fait que ce soit contre-intuitif, il y a encore des sceptiques qui doutent, mais scientifiquement, la théorie de la relativité restreinte est bien établie et les preuves de sa véracité sont établies depuis une trentaine à quarantaine d'années. Alors, donc ça, c'est la première implication de cet état des choses. Les expériences et les observations quotidiennes n'impliquent pas d'effets relativistes. Donc, certaines sont contre-intuitives. Et la deuxième implication, c'est que la plupart des exercices dans ce chapitre vont se baser sur des expériences de pensée. À la différence du chapitre d'analyse spectrale, par exemple, on n'a pas d'échantillon à analyser dans un analyseur de spectre qui va nous donner le spectre IR ou le spectre RMN et on peut l'étudier. On ne peut pas lancer un projectile, prendre des photos, repérer ses points et conclure. Par contre, on raisonnera presque exclusivement sur des expériences de pensée. Voilà l'expérience. Il faut comprendre l'expérience et à partir de là, trouver la solution. Néanmoins, flirter avec les limites du possible nous aide à améliorer des systèmes existants
le cas du GPS, du positionnement GPS est intéressant. GPS. Ou encore, remonter aux origines de l'univers. La théorie de la relativité restreinte et générale est très utilisée en astrophysique. Et comprendre, donc, ou encore remonter aux origines de l'univers et trouver sa structure. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de la relativité. Alors, Einstein a commencé à énoncer la relativité restreinte en 1905, plus d'un siècle déjà. Sur la base des travaux de plusieurs autres scientifiques, on peut citer Michelson et Morley, ces deux scientifiques ont travaillé sur la mesure de la vitesse de la lumière, donc la mesure de C, et des travaux de Maxwell. Lui avait travaillé sur l'électromagnétisme. Et à partir de ses travaux et d'autres, il a mis au point sa théorie. Alors, que dit la théorie de la relativité restreinte? Alors, la théorie de la relativité restreinte postule deux principes. D'abord, le premier postulat nous dit que toute loi physique, toute loi physique doit avoir la même formulation dans tout référentiel galiléen.
Donc, toute loi physique, toute formule physique décrivant la nature, eh bien, doit avoir la même formulation dans tout référentiel galiléen. Du moment qu'on travaille dans un référentiel galiléen, la formulation doit être la même. Le deuxième postulat, concerne la vitesse de la lumière. Et il nous dit la vitesse d'un rayon de lumière dans le vide est constante dans tout référentiel galiléen. Donc la vitesse de la lumière, d'un rayon lumineux, dans le vide est constante dans tout référentiel galiléen. Alors, on peut énoncer ces lois dans une version plus simplifiée. Donc je vous propose une autre version. Pour le premier postulat, on peut l'énoncer ainsi. Les lois décrivant la nature sont les mêmes dans un référentiel terrestre référentiel